On va démontrer que l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite est égale à 0. Alors, l'espérance d'une variable aléatoire, c'est l'intégrale sur l'intervalle sur lequel cette variable est définie. Ici, c'est r, donc ça va être de moins l'infini à plus l'infini, des t f de t, où f de t est la densité. Donc, il faut que cette intégrale, dans notre cas, de loi normale centrée réduite, soit égale à 0. Donc, on va s'occuper de cette intégrale. Et c'est ce qu'on appelle une intégrale généralisée, c'est-à-dire qu'elle a des bornes infinies. Pour ne pas avoir deux bornes infinies en même temps, on va la couper en deux. On va s'occuper de r moins d'une part et de r plus d'autre part. Et comme on ne sait pas calculer directement cette intégrale-là, on va dire que c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de l'intégrale de x, qui sera donc négatif jusqu'à 0, dtf de t dt, plus la limite quand. Alors je prends une autre variable parce qu'il y en a une qui tend vers moins l'infini, l'autre qui tend vers plus l'infini, donc il ne faut pas qu'elles aient le même nom. Dtf de t dt. Donc on va d'abord s'occuper de cette intégrale-là. Après, on fera pareil pour la seconde. Donc pour calculer cette intégrale, je prends un x négatif. Je ne perds pas en généralité parce que de toute façon, x, on va le faire tendre vers moins l'infini. Et je m'intéresse à l'intégrale de x à 0 dt, f de t, dt. Mais ici, f de t, c'est la densité de la loi normale centrée réduite. Donc f de t, c'est 1 sur racine carrée de 2pi, exponentielle moins t carré sur 2. Ça, c'est mon f de t. Donc mon intégrale, c'est somme de x à 0, dt fois 1 sur racine de 2pi, exponentielle moins t carré sur 2, dt. Déjà, le 1 sur racine de 2pi, il ne dépend pas de t, donc je peux le sortir de l'intégrale. Et je m'intéresse à l'intégrale de x à 0, dt exponentielle moins t carré sur 2, dt. Il s'agit de trouver donc une primitive de cette intégrante-là. Comme c'est de l'exponentielle, je vais essayer de dériver la même exponentielle et voir ce que ça donne. Donc mon candidat, ça va être exponentielle moins t carré sur 2. On dérive, on voit si ça marche. L'exponentielle de u se dérive en u' exponentielle de u. Donc ici, mon u', ça va être la dérivée de moins t carré sur 2, c'est-à-dire moins de t sur 2. Donc voilà mon u', exponentielle de u, je ne change pas l'exposant. Ça se simplifie. J'obtiens moins t exponentielle moins t carré sur 2. Alors j'y suis presque, parce que ce que je voulais c'était t exponentielle moins t carré sur 2. Donc j'y suis au signe près. Il faudrait juste que j'ai un moins ici. Ça me changerait tous les signes. Et j'aurais bien la primitive que je cherche. Donc finalement, la primitive de cette fonction-là, c'est moins exponentielle moins t carré sur 2. Je peux donc calculer mon intégrale entre x et 0. Mon intégrale, c'est 1 sur racine de 2pi que j'ai sorti de l'intégrale. Et à l'intérieur, j'ai t exponentielle moins t carré sur 2 dt. Ça sera donc 1 sur racine de 2pi. Alors, il ne faut pas l'oublier, hein, pas parce qu'on l'a sorti de l'intégrale qu'il n'existe plus. Et je vais prendre la valeur de ma primitive, qui est donc moins exponentielle moins t carré sur 2, entre x, qui est négatif, et 0. J'obtiens donc 1 sur racine carrée de 2pi. Alors, exponentielle 0, ça fait 1. Moins exponentielle, donc je vais avoir plus. Attention, l'exponentielle de 0 fait 1, mais on avait un moins devant, donc là on a moins 1. Moins exponentielle, donc j'ai plus exponentielle moins la valeur en x, c'est donc x carré sur 2. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est la limite de ceci
quand x tend vers moins l'infini. Alors quand x tend vers moins l'infini, moins 1, ça reste moins 1. Mais quand x tend vers moins l'infini, la limite, quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle moins x carré sur 2, quand x tend vers moins l'infini, x carré tend vers plus l'infini. X carré sur 2 tend vers plus l'infini, mais moins x carré sur 2 tend donc vers moins l'infini. Parce que le x carré sur 2 est positif, mais le moins x carré sur 2 est négatif. C'est donc la limite quand grand x tend vers moins l'infini, l'exponentielle grand x en posant grand x égale moins x carré sur 2. Et ça, on l'a vu dans le cours sur l'exponentielle, c'est 0. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de l'intégrale de x à 0 dt fois f de t, c'est-à-dire 1 sur racine de 2pi exponentielle moins t carré sur 2 dt, c'est égal. Alors, ça tend vers 0. Ça reste moins 1. J'obtiens donc moins 1 fois 1 sur racine de 2pi. J'ai donc moins 1 sur racine de 2pi. Ça, c'est donc mon premier terme ici. De la même manière, pour le deuxième terme, qui est l'intégrale sur R+, c'est-à-dire la limite quand y tend vers plus l'infini de ceci, je prends un y positif cette fois-ci, et je vais avoir l'intégrale de 0 à y dt, f de t, dt, et f de t c'est toujours 1 sur racine carrée de 2pi exponentielle moins t carré sur 2 dt. Ma primitive c'est toujours la même. Le racine carrée de 2pi, je peux toujours le sortir de l'intégrale. Donc j'ai toujours la primitive qui est moins exponentielle t carré sur 2. Cette fois-ci je la prends entre 0 et y. Donc je vais obtenir 1 sur racine carrée de 2pi moins exponentielle moins y carré sur 2 moins exponentielle de 0, c'est-à-dire moins moins 1, donc ça va me donner plus 1. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, quand y tend vers plus l'infini, cet exposant va tendre vers moins l'infini et donc l'exponentielle va tendre vers 0. On écrira par composition. Et donc la limite quand y tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à y dt fois 1 sur racine carrée de 2pi exponentielle moins t carré sur 2 dt, ça sera plus 1 sur racine de 2pi. Du coup, mon espérance, c'est la somme de ces deux termes. Donc, l'espérance de ma variable aléatoire, c'est moins 1 sur racine de 2pi, plus 1 sur racine de 2pi. Et c'est bien égal à 0, ce qui achève la démonstration.